Salut tout le monde, donc je vous refais un petit vlog en marchant. Je vais à une soirée dentelle, donc c'est ces fameuses soirées qui ont lieu le mardi soir dans différentes villes de France. Donc moi je suis à Paris, donc je vais à celle de Paris, et qui sont organisées par le blog de Mademoiselle Dentelle. Enfin maintenant c'est Madame Dentelle. Je pense que toutes les futures mariées connaissent ce blog, etc. Donc je suis pas encore complètement dans l'organisation de mon mariage, vous avez bien vu à travers les vlogs que je suis pas à 2000% dedans. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion et j'y vais avec deux personnes qui sont sur le site de mariage.net dont j'arrête pas de vous parler. Donc bah, en plus ça me permet de les rencontrer, ça me permet de discuter, de voir un peu du monde, des gens et de parler de mariage sans me dire que je vais saouler tout le monde. Voilà, donc je verrai pour vous faire un vlog au retour où on verra bien. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Donc, rebonsoir tout le monde. Je suis en train de rentrer de la soirée dentelle. Donc, je vous ai posté des petites photos sur Instagram, même si c'est quand même assez flou, ça vous montre un tout petit peu l'ambiance. J'ai pas souhaité filmer là-bas. Voilà, je suis pas encore à l'aise à l'idée de montrer au grand jour que oui, je filme, je fais des vidéos sur YouTube, même si j'assume complètement le fait de le faire. Donc, alors, pour vous parler justement de cette soirée dentelle, voilà, je me demandais un peu ce que j'allais y faire, étant donné que je m'estime pas assez avancée dans les préparatifs, etc. Mais c'est vrai que j'adore parler mariage, etc. C'est vachement sympathique d'échanger déjà les premiers préparatifs que j'ai vus, etc. Étant donné que je suis quand même un minimum avancée. Voilà, heureusement il y a une jeune fille aussi qui était pour un mariage en avril 2014, donc je me suis sentie un peu moins seule dans les 2014. Et c'est vrai que c'est vraiment super sympa comme soirée. Voilà, on est toutes dans le même esprit, on est toutes heureuses de se marier ou de s'être mariées pour certaines. Donc c'est vraiment génial, c'est un échange voilà, super positif. Voilà, ça permet d'apprendre pas mal de choses. Moi sincèrement, voilà, ça permet de passer une bonne soirée, de faire les mariages, de se détendre, etc. Je le recommande tous ceux et celles, enfin surtout celles à mon avis, qui sont à fond dans le mariage, que ça soit de leur mariage passé, que ça soit d'un mariage possible futur, que vous soyez en préparation de mariage, etc. Je vous conseille ce type de soirée, sincèrement, allez voir les blogs de Mademoiselle Dentelle, les filles sont géniales. Voilà, je traverse tranquillement au feu rouge. Donc non, super expérience. En plus j'ai pu rencontrer deux des filles que j'ai sur Facebook, enfin que j'ai sur un groupe Facebook maintenant depuis trois jours, justement à propos du mariage. Donc c'est vraiment super sympa de les avoir rencontrées, elles sont vraiment top top top. Donc voilà, mon petit ressenti de la soirée dentelle, juste génial, voilà. Un très bon moment de passer. Ouh, vous me voyez plus beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lumière le soir. Un super moment de passer. Donc je le referai l'année prochaine. Le mois prochain, parce que c'est tous les mois. Et je vous invite à y aller si jamais vous êtes en préparatif de mariage ou autre. Voilà, c'est vraiment génial comme petite soirée. Donc je ne regarde absolument pas. Et j'y retournerai. Voilà, c'était mon avis express sur ma soirée, la soirée dentelle. Bisous, à très vite, ciao ciao.